Eh bien voilà, rebonjour à tous. Donc on se retrouve encore cette fois-ci sur une autre map MLG qui est Countdown, compte à rebours. Cette map est une map symétrique puisque nous retrouverons les mêmes positions de chaque côté. Donc toujours ma petite précision. Si les positions que je vous dis, vous ne trouvez que ce ne sont pas les bonnes, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques afin que je puisse mettre des annotations dans cette vidéo et donc par conséquent pensez à activer les annotations pour voir s'il n'y a pas déjà eu des remarques sur cette vidéo grâce à la petite bulle se trouvant dans la barre d'état de la vidéo en bas. Voilà, donc nous allons commencer. Donc tout d'abord ici nous nous trouvons en grande porte là où se trouve le rocket, ici la rampe rocket, ici on va appeler ça le plat ou front, d'accord. Donc nous allons continuer. Alors vous avez vu, donc là c'est le côté rouge, non bleu de ce côté et le côté rouge de l'autre. Donc bleu à gauche, rouge à droite. Voilà. Donc ici nous sommes en roquette bleue. Oui, roquette bleue. Voilà, je m'embrouille. Excusez-moi. Donc roquette bleue. Vous entendrez aussi petite porte bleue. Le flag bleu, appelé aussi communément Blue Flag ou Flag 2 ou encore Blue 2. Ici, vous avez Blue 1 ou alors Blue Basement. Ici, dans les escaliers, vous êtes donc dans les escaliers bleus. Le lobby bleu ici. Là, le couloir bleu, aussi appelé Blue Drop. Le sniper bleu ici. Ensuite, passez la petite... sorte de porte, oui, c'est une porte en fait. Ici nous sommes en S, le sniper se trouve ici. Pourquoi il y a... Ah oui, venez, j'ai dû le prendre tout à l'heure. Donc le sniper ici, donc appelé S2, l'étage du dessous S1 et au-dessus S3. Donc voilà, donc côté bleu, ici nous nous trouvons en street ou encore rue, donc en français, rue bleue, street blue. Vous voyez qu'ici il y a un vent. Donc là, c'est le vent bleu. Le vent bleu montant donc au bleu 3, blue 3, hein, ou encore flag 3, ça arrive que vous entendiez ça. Ici, la radio bleue, on appelle ça. Vous entendrez aussi top bleu. Oh, pardon, la grenade. Top bleu, donc ici, nous nous trouvons en S3, comme je l'ai dit précédemment, avec des collantes, la trousse de secours qui se trouve ici. Ici, nous sommes en top blue lift. Puisque le lift monte ici. Ici, vous avez window bleu qui vous permet de redescendre en drop bleu. D'accord? Ici, balcon bleu. Balcon bleu avec camo. Je m'en mêle entre l'anglais et le français. Passé cette zone, nous allons donc cette fois-ci arriver en du côté rouge. Donc les positions, c'est exactement les mêmes du côté rouge, sauf que vous en doutez, c'est rouge et red. Voilà. Donc rouge top red lift, top rouge lift, hein, comme vous voulez. Le rouge top, ici, ou encore red 3, etc. Ici, vous avez la radio rouge. Le vent rouge, pareil. Ici, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Ici, c'est la passerelle, ou encore bridge. Vous entendrez bridge ou passerelle. Si on descend, vous avez donc la rue rouge avec le flag rouge. Roquette rouge là-bas, la santé, red basement ici avec red stairs, escalier rouge, donc lobby rouge, drop rouge avec window rouge au-dessus, le sniper rouge ici jusqu'à la porte. Donc voilà, les positions sont les mêmes de chaque côté, c'est juste la couleur qui change avec le vent rouge aussi. Je l'ai pas précisé. Je vais préciser donc ici, c'est bien S1 hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et alors là-dedans, dans les lifts, donc comme vous en doutez, blue lift, red lift et bulk lift ou encore central lift, bulk pour balcon. Et voilà. Donc voilà, on a fait un rapide tour de carte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire non plus. Merci.